Bonjour à tous, ici le Goomba80, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est parti, on est go et on est chaud, donc on se retrouve sur The King of Fighters 98 sur Wii. Alors c'est parti, on est go et on est chaud, on va saquer d'un bordel. Alors c'est parti, on va jouer comme ça hein, pour le fun. Alors arcade mode. Alors, on pose un seul extra, on prend en extra, hop, en player, Terry Bogard, on va prendre Yuri. Peut-être que je vais me faire décalquer, je ne sais pas, on va voir ça. En premier. Comme ça. Hop. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Je vais rapprocher la capture. Je vais mettre sur start avant. J'ai bien rapproché la capture parce que là c'est un petit peu loin. Là ce que je vois. Et là normalement ça devrait être bon. Donc je décale un poil ici et c'est parti. Donc j'espère que vous voyez bien. Ben, c'est parti. Approche mon petit. Et voilà dans ta face. Et c'est parti. Voilà, chop, cassage de cou. Allez, bouffe ça. Et chop. On va esquiver la bourrique. Et encore la chop. Pétage de cou. Et elle enchaîne. Et voilà, boum, mais good ass. Allez, on roule toi, c'est parti, on sacre deck, on crits. Bon, je vais faire la provocation, mon petit. Oula, petite esquive à la Yang. On retrouve beaucoup de jeux de baston. Hein. Oula. Ah voilà, il m'a prévisé mon terrible regard. C'est un vic à remonter hein. Un peu en plus. Ça fait partie de Yori Yagami. Et voilà, en miettes.
Donc c'est dommage que ce jeu n'ait pas de fonction en ligne, contrairement à ce Tatsunoko vs Capcom. Et voilà. Par contre, en Corée. On va contre le vieux. Allez, enchaîne. Le vieux là, le vieil alcoolo là. Les persos suivants sont les persos qui ajoutent derrière, hein, les prochains adversaires. Et voilà, va voir ailleurs, c'est un colo. Donc, big up au passage à tous ceux qui aiment le versus fighting. Hein. Big up à toi, Nono, hein, si tu regardes au passage. Un bouffe. Et la projection. Oula, elle enchaîne la petite. Et voilà, brisé le péri. Je vais déboîter la gamelle. Attention, j'ai le vieux fou. Il y a le colo. Grand-père qui crache sa salive. Oh. Déboîter la gamelle. On va mal finir. 20 secondes. Voilà, et voilà la boule qui met un terme à la vie du pauvre clochard alcoolique. Déboîter sur place. J'aurai le temps de mettre G80. Bon, ce sera G81, tant pis. Voilà. Oh ben merde. Normal game. Normal, on peut changer la difficulté. Donc, on explore, on s'en prend. Terry Bogger. Qu'est-ce qu'on se prend? Robert! C'est pas ça que je cherche. Kyo. Alors, G80.
je suis pas sûr, mais il me semble que le groupe Kyo vient de ce nom-là. De vraiment Kyo là, ce gars-là. Je dis pas de bêtises, hein, le fan de Kyo doit se voir mieux que moi. Oh bah tant pis, pas eu le temps. Allez, on attaque bien comme le vieux fou. Et notre bouffeur de riz là. C'est parti. Allez, va boire ailleurs, c'est l'alcoolique. Approche. Dieu fou. Valoir du feu, vieux. Et voilà, là, un petit coup. Pour ceux qui jouent à Street Fighter X Tekken, vous verrez que Paul le possède le même coup. Alors c'est ça qui est un peu dommage. Attention, il enchaîne là. Et voilà. La chope, bien joué. Et voilà, bouffe mon poing dans ta face. Sale tour. C'est une petite vidéo, hein, qui durera une vingtaine de minutes. Esquive. C'est un peu chaud ici entre les mouettes qui passent et les alcooliques, c'est un drôle d'endroit. Allez. Un cuisinier là, qui mate le fight de sa cuisine, de son resto, parce que Kyo. Et voilà, c'est la victoire. 25 511 corps, c'est plutôt pas mal. Et pour le troisième fight. Voilà. Attaque. Coup de coucher.
Pero bueno, pues mal ahí. Merde, la garde. Ouais, tu vas le cramer le cul, toi. Et voilà, à la Jean-Claude Van Damme. Un petit kangourou, on essaie de lui mettre sa pâté. C'est David Douillet, japonais. Une très bonne garde. Tiens, coup de couture, on va te cisailler. Une paillette. Où sont là en mode super saiyan. Et ton QT est mort sur place, un coup de 10 000 volts, ça fait pas du bien par où ça passe. Arrête de sauter partout, malheureux. Bouffe. Attaque en vrille, hein, que l'on retrouve aussi dans Street Fighter X Tekken par Lily. Coup de pied sauté là, à l'envers, qu'on retrouve aussi par là-haut. Vous voyez, à tous ces jeux de baston se suivent, les coups à la Tekken, tout ça. C'est toujours les mêmes coups, malheureusement. Et voilà, gagné. On va se faire un dernier fight, on va se quitter là-dessus sur King of Fighters 98 sur Wii pour cette petite vidéo. Et voilà. Partons en Espagne. Et là, le look de Joe. Joe, kickboxer. C'est un pote add-on de Street Fighter. Pop Shaw derrière hein, qui crève de chaud. Et voilà, je te les ai brisés, mon pauvre. C'est un coup à la donne, hein. Coup de pied, faut pas le nier. C'était déjà des beaux graphismes à l'époque, hein. Pas mal foutu. Mais bon, ça fait plaisir, hein, de retrouver ce genre de jeu sur les consoles actuelles. Ça fait un peu comme Metal Slug, hein. Quelques jeux comme ça qui nous refoutent au coup du jour, pardon. Oh,
Peux-tu faire ton mariole? Plus de 10 secondes. Voilà dans ma face, bordel! Winner! Allez, winner! Allez, prends-moi le malin! Voilà, la nuit qui tombe, c'est vraiment bien foutu, la fontaine qui s'est arrêtée. On va refuser tous les deux. Ah merde, la garde. Et le chat qui repart à la chasse, alors il se lave littéralement. Tiens, prends une baffe. Et boum. Ultra dans la gamelle. Ah, là, 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 run, fight. Et voilà. Super casque de Fatal Fury. Et voilà, c'est fini, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo sur King of Fighters 98, donc big up à tous les amateurs de Versus Fighting, et puis bah, je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine, bye à tous.